Eh bien, YouTube, tout le monde, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je vous fais une petite présentation comme ça au départ. Parce que, tout simplement, il y a eu quelques trucs. En gros, j'étais en live. Donc, j'ai fait un live. Donc, n'hésitez pas à venir me follow, que ça soit sur Twitch ou YouTube. Je fais des lives, que ça soit sur les deux plateformes en même temps. Si vous me voyez en live sur un, je suis forcément en live sur le deuxième. Donc, n'hésitez vraiment pas à venir... nous rendre visite et même à follow, ça serait très très gentil de votre part. Et nous, par la même occasion, abonnez-vous, je vous en supplie les amis. Vous savez pas le travail que ça demande de continuer des vidéos comme ça quasiment tous les jours ou tous les deux jours. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, ça vous prendra deux secondes, ça vous coûte rien. Et moi, ça m'aide énormément à avancer la chaîne, avec un petit like et un commentaire. Par la même occasion, si vous avez des trucs à dire pour la vidéo, voilà, du moment que c'est constructif, même une critique, je la prends, vous inquiétez pas. Donc voilà, on se retrouve sur une l'overdrive, là, c'est semaine 3, donc je vous fais cette petite aparté avant la vidéo, tout simplement, pour vous expliquer comment ça se déroule, parce que je l'ai pas fait, du coup, je l'étais en live, je vous ai juste fait l'intro de la vidéo, mais je vous ai pas trop bien expliqué, et vu que je répondais aux viewers, c'était compliqué. Donc, c'est pas compliqué, on prend une quête dans Priority, et à savoir cette quête, tout le serveur là, d'accord, c'est pas que vous, c'est même si vous la prenez, ça veut dire qu'elle est toujours présente, quoi. C'est pour ça qu'il faut pas se fier au fait, moi je l'ai, ah ouais, non, et c'est pour ça aussi, comme je le dirai dans la vidéo, vous l'entendrez, que vous pouvez pas partager cette quête, parce que tout le monde peut la prendre et l'avoir constamment. Alors, à savoir que si vous la prenez, d'accord, c'est donc admettons que vous la prenez, vous allez spawn sur Yela. Donc jusque là ça va. Et le truc c'est que bah forcément vous allez devoir défoncer ces vaisseaux un par un. Non, parce qu'il y en a 24 qui spawnent en règle générale. Donc il vous faut en buter qu'un seul. Si, enfin vous pouvez en buter plusieurs, hein, mais si vous en butez un, ça vous comptera la quête à la fin. D'accord, donc c'est comme si vous l'aurez faite. Enfin vous l'aurez. Ça vous la validera d'office en fait, à la fin. Donc voilà, minimum tuer un vaisseau, et faire très attention, comme vous allez voir dans la vidéo, il y a énormément de joueurs. Donc là c'était normal, c'était en début de semaine, donc on l'a fait quasiment dans l'instant T où elle est sortie, donc j'ai lancé un live pour ça d'ailleurs, pour ce petit truc, pour cet événement. Donc voilà, c'est pour ça que ça fait aussi, ça me permet de vous faire une pub. Mais voilà, donc ça veut dire que en plus il y aura deux endroits. Donc nous à la spawn à Hearthstone et à Yela, à Berden, je crois, un truc dans le genre. Enfin voilà, dans ces zones là. Donc soit vous faites l'aller-retour, soit vous attendez qu'ils ont fini de la faire à l'autre endroit et vous restez à Yela pour la faire à Yela en fait. Mais bon, ça vous prendra un tout petit peu plus de temps que la norme, hein, bien entendu. Mais voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous plaira. N'oubliez pas surtout de vous abonner, comme je vous l'ai dit auparavant, et de lâcher un petit like, ça fera toujours plaisir. Et n'oubliez surtout pas, faites attention parce qu'il y aura du PVP et il y a du PVP, comme vous allez voir dans la vidéo. Mais je vais pas tout vous spoiler. Bonne vidéo à vous les amis. Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Donc sur cette vidéo, on va être en live en même temps de faire la mission Overdrive. Donc comme vous pouvez le voir, donc on est en live, n'hésitez pas à nous rejoindre, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Et on se retrouve pour la troisième semaine de l'Overdrive Initiative. Donc on va se taper l'émission du coup, celle-ci. Donc de ce que j'ai compris, de ce qu'on a parlé, on vient de parler... Oui Maxou, les top 3 est déjà... Enfin il est arrivé là, il est arrivé tout à l'heure sur Zone. Et en gros, cette mission, en gros, on peut pas la partager comme on peut le voir. C'est une quête en fait, apparemment, où on arrive, où il y a plein de vaisseaux. Et le but, bah, c'est de défoncer au moins un vaisseau pour valider cette quête. Enfin, la première étape, en tout cas, du moins. Donc, bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner, les amis. Et de lâcher un petit like et votre commentaire. Ça fera toujours plaisir. Hop. De toute façon, là, le but, c'était juste de défoncer un vaisseau. Là, c'est aller sur un site. Mais ouais, la 3.23, c'est ce que je veux. On le veut tous, de toute façon. On l'attend avec impatience. Ils ont défoncé tous leurs vaisseaux. Et ils se sont barrés. Ils ont laissé leur amour être tranquille ici. Asberg, si tu veux, il y a encore un amour là, sûrement. Je sais pas si t'en as réussi.
Ah, t'as plus rien? Non. Dommage. Du coup, je viens d'avoir ma deuxième mission. Mais là, du coup, c'est pas une mission partagée, ça, la deuxième mission. Bah non, toutes les missions, elles sont pas partagées, en fait. Non, mais c'est pas la même endroit, quoi. C'est-à-dire, là, je viens d'avoir une mission, les autres, si, ils vont pas y aller. C'est le même endroit. Si, si, c'est... Si, si. Oh, putain. Oh, cette galère que ça va être. Oh, c'est ça que je vous l'ai dit, hein. Je vous l'ai dit, hein. 4 mecs sur le même OM, c'est... Waouh. Waouh, waouh. Moi, je dis, il faut faire cette quête-là en Redeemer. Redeemer. Laquelle? Quoi, Redeemer? Laquelle tu vas faire en Redeemer? Bah celle-là, la Xenodred, l'excursion, là. Ouais, mais il y a... Il a déjà fini, Oscar. Au lendemain d'un désastre qui a repopé pour les Redeemer, où justement t'arrives après le combat pour recycler les vaisseaux. Un Reclaimer, ça, c'est pas un Redeemer. Oh. Mais oui. Ah ouais, merde, pardon. Ah, oh, mais il y a eu... Ah, le Reclaimer, bah, il se fait plaisir, hein. Excuse-moi, ah, t'as un 3 ou 4 Hammerhead, plus c'est plein de petits vaisseaux à côté, déjà un Hammerhead, ça te remplit à bloc le réclameur, oui, il est, je te plaise. C'est... Mais par contre, c'est la première fois que je vois, vraiment, il y a j'ai des chasseurs partout, j'en ai d'en passer un là, what the fuck, là il y a un Karak. Moi, faut m'expliquer, je suis déjà à 3 sur 5. T'es déjà à 3 sur 5, c'est peut-être un bug, hein. Ouais. Alors par contre, je suis à la deuxième mission, mais la deuxième mission, genre c'est toujours défoncer un... C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Tu le fais 5 fois. Ah, ça va être chiant et nul. C'est ce que je te disais. C'est 5 fois la même quête. Ah, moi je croyais que ça allait être un truc un peu plus fun. Ah non. Ah non. Tu gagnes un truc sur ça? Tu gagnes quoi de particulier? À part de la thune, quand hein, tu as tout fait, quand tu auras tout fait, en fait, si tu as acheté avec l'argent réel le FC MK2, tu pourras upgrader. Ah, c'est toujours FC. Okay. F7A MK2 gratuitement. Si tu l'as pas acheté, par contre, tu pourras le louer temporairement. Ok. Donc, tu pourras quand même le tester, le F7A, en fait, tout simplement, dans le pire des cas. Si tu veux. Temporairement, on est bien d'accord. Ouais, mais non, là, je parle louer temporairement, c'est pas parce que je parle, c'est pas une redomance, c'est que c'est, la location va pas durer vive et éternelle, ça va peut-être durer 3 jours la location du vaisseau. Donc, tu quand tu loues un vaisseau, c'est 3 jours. Donc non, justement non, mais là tu vas louer une si tu loues une journée, si tu loues une journée et tu le prends le deuxième jour qu'il est là, le lendemain bah tu pourras plus le relouer quoi, c'est ça que je veux dire. Hein. On sait pas combien de jours qu'il va être disponible en location. Oh, ça fait chier là, la mission elle spawn pas. Depuis tout à l'heure. Je me fais un lock encore. Regarde, t'as vu mec? Regarde l'énergie. Quoi? Regarde, j'ai confirmé ton truc, t'as marqué marge, j'ai marié SPTU Wave 1. Et le mec il dit, où tu as lu ça? Attends, mais il y a les fuites, c'est un... En fait, ouais, ça me met 15 sur 1, moi. Bah, c'est-à-dire que tu l'as eu, t'en as eu un. 15 sur 1, t'en as eu un. Ok. Attends, il y a 2 Hammerhead, là. Hmm. Il y avait Colo. Après la boîte, 510 depuis la station. Le mec il y va à pattes quoi, mais lol. De quoi? Le mec il est arrivé sur OM4, donc là où j'étais. Le mec il y va, il a pas recontoum sur le point de ici, il est parti à pattes le mec.
Il est énervé le copain. Ah, on me lock, c'est cool. Vas-y, lock. Ouais, bon, et putain, moi je viens de me prendre un putain de missile. Gladius de merde. Mais qu'est-ce qui arrive à ce truc du cul là? Il y a une amérette que vous avez pas dû. Vous tuez pas quoi? Non, l'amérette là-haut. Il y en a toujours un, mais il y a toujours son escorte. J'espère que j'aurai assez de temps pour le détruire, l'amérette. Allez, ils disent que j'en dû détruire 24. Il y en a 8 qui a été détruit. Ah, il en reste plus que 5, ok. Non, il reste plus que 5. Il y a 24 vaisseaux en fait. Ouais, donc ça laisse quand même le temps d'arriver, mais après il y a 4 amorettes faciles. Et du coup, c'était avec ça qu'on était tombé sur la. Oh. C'est un joueur ça, j'étais en train de lui baiser le fumer alors que c'est un joueur. Viens, on le fume, c'est. Non, non, le joueur pirate. Et que t'en tues 1 ou que t'en tues 4, tu gagnes que 29 000. Oui, oui. J'ai voulu essayer. Attends, mais j'ai plus de bouclier, moi, il y a une couille là. Pourquoi mes boucliers, ils cherchent plus? C'est quoi le délire là? Parce que t'as pris trop cher. Oh, il y a tellement de. Asten? Vas-y, moi je vais aller à. Ça, c'est obligé que ce soit un joueur. Je la gagne. Ah, il y a Namered à un joueur, c'est obligé. Vas-y, la quête est terminée là. Ouais. Et en quantum, comme si j'étais un quantum planète. Ouais, j'ai vu, j'étais doublé en faisant ça. Bah, t'as pas de jump sur Gamex directement? Bah, si, mais ça me fait un quantum planète. Oh, dur. Oh, dur. Ah, ça y est, enfin un quantum, putain! Ah, pourvu que la star map il la change parce que c'est quand même. C'est chiant. Mais c'est même pas la star map qui bug là, c'est un bug du jeu. Hein. En fait, les points de jump, les points de quantum, ça fait partie de la star map en fait. Oui, non, mais okay. ça fait partie du gameplay, mais c'est pas réellement le. La star map qui bug, non? Si, justement, parce que les points de jump sont liés à la star map. J'irais qu'on puisse jump à peu près où on veut là. Oh, il y a 24. Ouais, c'est pareil. Hein. Il y a 24 vaisseaux. Oui, oui, comme dans toutes les vagues en fait, il y a 24 vaisseaux en tout. Pour ça qu'ils disent une vingtaine de vaisseaux plus 4 Amored. Tu fais 24. Mais moi, ça me dit pas le nombre de. Ah, là, je suis à 22 sur 1. Ah, c'est pas. Oh, comment c'est buggy! 22 sur 1. Bah oui, j'en ai tué 2. Ouais, non, mais c'est pas ça, c'est que c'est pas 22 sur 24, c'est 22 sur 1. Laissez-moi le temps d'arriver. Hein. Moi, ça me fait ça à chaque fois. Le temps que j'arrive, c'est fini, et ça repop de l'autre côté du truc. Ça, faut attendre, c'est ce qu'on a fait avec. Ok, voilà. Vas-y, je vais arrêter de défoncer tes vaisseaux. J'en ai déjà baisé 3. Bon, moi, je tue un homme raid. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser à tourner autour de stats stéroïdes. D'accord? Je fais ça pour le bien du live. Après, c'est vrai que en plus, je dois m'arrêter à Seraphine pour réparer mon vaisseau. Il y en a un raid, il court après, chef. Oh, sinon, bah, les couilles, j'y vais comme ça. Hein. C'est bon, j'ai tué un homme raid. Maintenant, ils sont où les joueurs? Vas-y, nique les joueurs comme ça. Ah oui! Bah attends, est-ce que c'est. On prend du le kill stats, ah. Ça nique pour la mission, ça va? Non, non, bah vu que t'as validé, c'est bon. Hein. Ah non, allez-y, pouffez les joueurs, voilà. Comme ça, j'arrive, il y a toujours du monde. Parce que.
parti. Ah, il est en train d'écrire dans le chat. Ah non, ah, il a Quantum. Ah, il a Quantum. Il a Quantum. Espèce de petite bite, pardon. Là, là, c'est insane parce que t'as quand même, je sais pas combien de tourelles qui tirent sur la, sur le F8. Alors, soit les boucliers sont vraiment bons, soit il y a un bug. Je pense qu'il y a un bug. Ouais, non, c'est beau, gros. Il y a un gyrophare sur Séraphim, les potes. Après, c'est, j'ai pas de mytho, je suis arrivé avec deux vaisseaux, deux, trois vaisseaux, donc. Là, il reste que la Merez. J'ai tué un Gladius quand même pour confirmer la mission, mais bon. Sans, c'est quand même chiant que ça soit H24 la même mission. Ich. Et j'en ai tué un deuxième. Ah mais c'est un... Ah mais non mais c'est un joueur en fait. Je m'attaque contre un joueur. Naberhead. Ouais c'était un Naberhead joueur en fait. Je comprenais pas depuis tout à l'heure mais... Il reste un vaisseau en fait à détruire. Il y a plein de balises de demande de sauvetage. Attends, mais... Parce que tu vois, il y en a plein qui... Gros Naberhead là, il est en train de fuir sa mère. Reviens là si ça le brille. Je le vois. C'est Isarus ? Oui. Ouais. Ça, c'est le joueur, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est con parce que ouais. Des fois il est rouge et. Ouais, du coup. Ouais. Forcément. Ouais, il est rouge là. C'est ce qu'il cherche hein, dans tous les cas. Hein. Et il se casse là, il se tire. Il essaye de se tirer en tout cas, je crois. Il y a tout le monde qui le suit. Attends, moi, je vais le laisser, je vais retourner dans la zone de. Même quand t'as terminé tes missions, là, quand t'as sera 5 sur 5, t'auras fini, tu peux encore les faire. Non. À moins que je prends quelqu'un avec moi qui les a pas fait, tu vois. Excusez-moi. C'est-à-dire que tu pourrais plus aller chercher les autres joueurs, du coup. Attends, ouais. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même aller chercher le dernier vaisseau qui doit traîner quelque part, là. Ouais, parce qu'il y en a 4 ans d'Hearthstone pendant ce temps-là. Bah, venez, on cherche pas, les gars. Petit café ? Post-clop ? Allez. Ah, l'autre il est de retour avec son overhead. Ah, j'ai envie de le fumer, mais vas-y, c'est pas le but, faut d'abord qu'on trouve. Bouge pas, j'arrive avec mon Eclipse. Mais Moon Richardman, qu'est-ce que tu fais du coup, toi ? Là, il y a. Ah, les mêmes pailles, t'es encore. T'es entouré de. Pas mal de. Oui, t'es avec un joueur là. Re. Tu casses les couilles. Tu travailles avec lequel joueur ? Re. Avec Quentin, je crois. Quentin, ouais, c'est Quentin. Vas-y, je vais t'aider. Alors, c'est fini ? Ouah, on est sur la fin, là. Ah, vous avez pas fini encore ? Si, si, moi j'ai fini. Mais j'ai en train de les rejoindre pour péter des joueurs, en fait. Donc, du coup, vous avez fait quoi ? Vous avez juste pété un vaisseau, c'est tout ? En fait, le but, c'est que t'as 4 amurets dans tout votre vaisseau, ça te fait un total de 24 vaisseaux. Et tu dois juste tuer un vaisseau. Et tu attends qu'elle finisse la vague et puis tu recommences 5 fois. C'est con hein. Non, ça a l'air naze. Wow. Ouais, ça c'est naze. Vous y êtes allé avec quoi du coup ? Moi avec le F8. Et là je pars avec l'Eclipse pour aller tuer. Parce qu'il y a des cons hein. Il y a des Amurred ennemis, il y a des joueurs Amurred hein. Ouais, il y a le corsaire qui. Oui. Qui veut me charbonner ce bâtard. Oui, bah et le corsaire l'attaque aussi sous tous les joueurs tout à l'heure. Si, j'ai tué l'Inferno Lion. Après, j'ai tué un Cutlass en joueur. Alors, bougez pas parce que moi j'arrive. Hein. T'as voulu toujours pas buter le dernier PNJ ? Non. Et là, toi, tu essaies de te dépêcher, mais ça bug avec la putain de star map de merde. Il reste plus grand chose à attendre. Ouais. T'as les bons, le mec avec le corsaire, quand même. Il fait tout pour aider que j'arrive à lui passer derrière dans le cul. Ah, ça y est, enfin. Deuxième, non ?
Je vais faire un bisou. Tu l'as embrassé ? Il est mort ? Ouais. Bah, tous les deux. Je crois. Tu... Non, non, il est toujours là. Il est toujours, bah, il doit être bien moché alors. Parce que je reviens. Ouais, il y a un moteur gauche. Trois, deux, un, torpille balancée. Sur qui? Il reste qu'un vaisseau, j'ai toujours pas le tuer. Bon, on a pas... non, on est plus en train de se fight contre les mecs que... Il était bon, le mec, en... Il est... Attends. Non, mais il va... Attends. Regarde la petite belle bleue qui arrive. Mais ça y est, il a claqué. Oh putain. Il est où l'autre Mered là qu'il y avait? De cette fois, j'y... Ah, il y en a un là-bas. Un cutlass black. Et alors? Bah voilà, moi aussi, je les ai tous finis. Ah, par contre, il y a un joueur là. Mais il y a tellement de joueurs encore. Mais tu vois, regarde, il est parti là-bas. Tu vois, il y a un rétaliateur même en bas là. Un rétaliateur? Ouais. The Mini Win, je sais pas quoi là.